Alors, je reviens parce que j'ai eu ma commande de Bouhou. Je suis trop contente. Franchement, je vous assure, je suis trop trop contente. Je suis maquillée avec la palette Mix que j'ai fait gagner. Et on va découvrir ensemble. Je n'ai pas découvert, hein. J'ouvre avec vous. Hein. Alors, il faut savoir que c'était des robes de cocktail, de soirée, de mariage. Déjà la couleur, elle ne me plaît pas trop. Hein, mais bon, de toute façon, c'est pour un mariage au mois de juillet parce que ma princesse se marie. Elle se marie dans un château. Donc, je me dis, il faut que je trouve quand même des jolies robes. Alors, bon, elle n'est pas moche du tout, franchement. C'est la couleur, elle est un peu saumonée. Regardez, franchement, elle est super jolie. Elle a un joli jupon épais, comme ceci. Là, voilà. Franchement, elle est très belle. Honnêtement, elle est très, très jolie. Regardez derrière. Voilà. Je l'ai pris en XL, je crois. Non, j'ai pris en 42, mais je crois que c'est trop grand. Mais c'est pas grave. Ma mère, elle me la reprendra un petit peu, ou ma belle-mère. Voilà. Regardez comment elle est super jolie. Maintenant, c'est pas celle-là que j'attends, c'est l'autre. En fait, comme on va passer une nuit dans le château, on va rester 2 jours, quoi. Donc, ouais, là, je suis pas contente au niveau des couleurs parce que c'était vieux rose et ils m'ont pas envoyé un vieux rose, ils m'ont envoyé un saumoné, la même couleur que ça. J'ai pas demandé cette couleur-là. Mais bon, je suis pas déçue, elle est très jolie. De toute façon, c'est pour un mariage. Alors, elle est comme ceci. On la découvre ensemble, hein. Comme ceci. Voilà, mais c'est pas du tout. Elle avait des manches. Elle avait des... Mais non, c'est pas du tout ça. Jolie quand même, regardez, elle est toute en mousseline. C'est pas cette couleur que j'ai commandée, c'était vieux rose. Et là, j'ai un couleur saumonée. C'est pas du tout. En fait, celle-ci, c'était vieux rose. Ah, attendez. Attendez. Ah ouais, mais alors... non, c'est ça. Mais par contre, je sais pas comment il faut la mettre. Je pense qu'il doit y avoir un... Voilà, parce que normalement, on doit faire comme ceci. Je crois que c'est ça. Voilà, comme ceci. Et ça fait un petit peu ça. Enfin, un peu plus joli, quoi. Et on met la robe comme ceci. Ah, franchement, elle est super jolie. Et ça vous fait un pendant comme ça. Alors, ils auraient pu faire le nœud et puis on va le faire ensemble. Bon, je ne suis pas déçue. Par contre, ce n'est pas la couleur que j'ai commandée. J'ai commandé vieux rose. Et là, c'est... De toute façon, ça va très bien pour un mariage. Hein. Voilà, c'est saumonné. Corail, ouais, saumonné. Alors, voilà. En fait, vous avez... Je pense que c'est ça. Je ne sais pas trop, en fait. Voilà, je pense que c'est comme ça, quand je regarde sur le catalogue. Oui, voilà, elle fait comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Franchement, elle est trop jolie. Moi, j'ai adoré. Elle est en violette, j'aurais dû la prendre en violette plutôt que de la prendre en... À la base, j'ai pris vieux rose. Mais honnêtement, je ne suis pas déçue. Voilà. Hop, pareil, j'ai pris le 42, c'est un peu grand, mais bon, bien. En fait, ça fera comme ça sur l'épaule. Vous voyez ? Si je vous montre une photo, si je trouve une photo, je vous mettrai une photo. Je vous mettrai là. En attendant, je ne suis pas déçue parce que c'est des robes qui valent très cher et que j'ai eu pour 15 euros chaque. Et on voit bien que c'est de la qualité, quoi. On voit bien, regardez, le jupon, il est magnifique aussi. Il est très épais. Franchement, elle n'est même pas transparente. Elle est vraiment très, très, très belle. Je la mettrai. Parce que pour l'instant, c'est un peu... Mes choubidous, je vous aime, je vous dis I love you, je l'ai mis, je te quiero, je t'aime, bye bye.